Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis en ce week-end. Alors, deux choses. Tout d'abord, hier, pas de récap. Que s'est-il passé? Eh bien tout simplement, je n'ai pas eu le temps. Alors je vous prie de m'excuser vraiment. Mais vous allez voir, c'est plutôt pour des trucs cool qui arriveront, eh bien, probablement en début de semaine. Je vous donne rendez-vous. Et puis pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, eh bien vous avez vu, je vous avais annoncé pour aujourd'hui une vidéo un peu chelou. Alors, chelou, qui en bon verlan veut dire louche, veut dire tout simplement qu'en fait c'est une vidéo que j'ai retrouvée dans ma besace du Tokyo Game Show. Effectivement, je suis vraiment tout seul, hein, vous le savez, pour faire mes vidéos, que ce soit les miniatures, les tournages, les montages, etc. Il y avait vraiment beaucoup de taf, et en fait j'ai complètement zappé cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo vraiment un peu particulière. En l'occurrence, on va découvrir un jeu en réalité virtuelle, avec des créatures bizarres, sur un vélo développé par des étudiants d'Osaka. Ben voilà, j'ai fait le petit montage et voilà. Mais donc non, hein, je ne suis plus au Tokyo Game Show, il est fini depuis maintenant un petit bout de temps. Je ne suis pas à Tokyo, même si j'aimerais bien, mais ce n'est plus le cas. Donc allez, je vous laisse la découvrir. N'hésitez pas à la partager, me dire ce que vous en pensez. Et puis, à très vite les amis, ciao! Konnichiwa à toutes et à tous, nous sommes toujours au Tokyo Game Show et justement le TGS c'est aussi l'occasion de découvrir des petites pépites, des choses bizarres et là, croyez-moi, du côté d'une école d'informatique d'Osaka, il y a quelque chose de chelou qui se passe. Regardez quand même ça. Quelqu'un en vélo, en réalité virtuelle, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et apparemment, il dégomme des monstres. Il faut absolument que j'essaye ça. Ça a l'air bien débile comme je les aime. C'est ça qu'on aime aussi au Tokyo Game Show. Regardez. Ok, il faut absolument que j'essaye ça. Maintenant, tout de suite. A few minutes later. Allez, on va essayer ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais c'était pas mal. Et bien voilà, ça s'appelait Mama Chariot. Et donc c'est développé par des étudiants à Osaka, dans une école de design et de IT. Et franchement, c'est pas hautement passionnant, on est bien d'accord. Mais on pédale, ça fait des tirs de plus en plus rapides. Et avec le guidon, eh bien on va pouvoir donner la direction de ces salves. Et bien sûr, vous avez vu, c'est sur HTC Vive que c'est développé. Ça n'a pas un but commercial, évidemment. Il y a une manette, un contrôleur qui est sur le guidon, un autre sur les pédales. C'est aussi ça, le Tokyo Game Show. Et je sais que vous l'appréciez aussi pour ce genre de petite découverte complètement décalée. Allez, le salon continue, bien sûr, sur la chaîne. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement. Il y a d'autres vidéos qui vous attendent. Vive notre passion du jeu vidéo, ici, à Tokyo!
Et voilà, téléportation, je me retrouve à Paris. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je suis pas revenu en vélo ni en hélicoptère. En tout cas, bah, chose promise, chose due. C'était quand même vraiment bizarre. En tout cas, et bien maintenant, je vous souhaite un bon dimanche. Ciao les amis.